Sacrifier des fromages de chèvre. Hein? Les dieux s'en vont. Les dieux s'en vont. Pas tous, Seigneur, pas tous. Hein? Oubliez Vénus. Ah, Vénus, oui, elle lutte. Ça, je ne dis pas le contraire. Elle lutte. J'ai lu récemment dans le Sidéro Magazine le montant exact des offrandes du mois dernier. C'est colossal. Ah, il fait de bonnes affaires, le grand augure de Vénus. Ouais, ça, le fait est que depuis que, grâce au berger Paris, elle a battu Junon et Pallas dans le concours du Mont Ida, il n'y en a plus que pour elle. Tandis que ce pauvre Jupiter, le père des dieux et des hommes... Ah, le nom de Zeus n'a pu réparer le tonnerre. Pas encore. Comment pas encore? Mais nous ne pouvons nous passer de tonnerre aujourd'hui. Ah, si vous croyez que c'était chose facile de réparer cet engin-là, vous m'obligez à taper dessus comme un fou. Philocombe, Philocombe, je te l'ai dit 100 fois, il faut taper dur pour frapper fort l'imagination du peuple. Oui, mais... Alors dépêche-toi d'en finir avec cet instrument. Hein. Oui, mais... La journée commence. Ah... Voici venir la plus belle moitié de Sparte, les pleureuses d'Adonis, conduites par notre gracieux souverain. Il va réparer le tonnerre. Thank you.
Attendra. Oui, le sacrifice attendra. Que l'on commence sans moi. Le sacrifice peut toujours attendre. Et veuillez passer dans mes burennes. Oui. Alors, je vous écoute. Vous allez dire que je suis folle. Ça, c'est vous qui le dites. Ce concours du mont Ida, j'y pense sans cesse.
ce bois mystérieux, ces trois déesses, cette pomme que ce berger accorda à la plus belle. Ce berger, surtout, vous n'avez pas de nouveaux détails. Non, je regrette. Est-il vrai que pour remercier ce berger de l'avoir désigné, Vénus lui ait promis l'amour de la plus belle femme du monde? Oui, oui, cela paraît officiel. Mais la plus belle femme du monde... Mais c'est vous, reine, c'est vous, assurément. Taisez-vous, car si cela a été... Eh bien, grande reine... Elle, toujours elle. Qui elle? La main de la fatalité qui tombe sur moi. Ah, ça oui, c'est vrai, oui. Ma naissance d'abord, vous la connaissez? Oh, qui ne la connaît pas? Ce signe traqué par un aigle que les dassons va dans ses bras. Oh, Calcas. Oh, pardon. Ce signe-là, c'était mon père. L'aigle, c'était Vénus. Cruelle Vénus. Vous voyez bien, Calcas, que je ne suis pas une femme ordinaire. Mais vous les connaissez aussi bien que toute la Grèce, les égarements involontaires de ma jeunesse. Enfin, après tant de naufrages, j'ai pu croire que j'arrivais au port. Et ce port, c'était Ménélas. Oui, bon et excellent temps. Calcas, j'ai tout fait pour l'aimer, tout. Je n'ai pas pu. Ah, que voulez-vous quand on ne peut pas et on ne peut pas? Mais qu'est-ce qu'il va devenir, ce bon et excellent homme? Dame, si Vénus l'ordonne... Qu'est-ce que je vous disais? La fatalité. Mais c'est une excuse. Et on m'accusera cependant. Ah oui? Et quand je traverserai la foule du haut de mon char, j'entendrai, comme tout à l'heure, une voix qui sortira des rangs du peuple et qui dira, ce n'est pas une reine... C'est une cocotte. Oh non, mais vous vous êtes trompé. Cela ne s'adressait pas à votre majesté. Cela s'adressait à votre cheval. Une cocotte. Si, cocotte. Et après tout, il avait raison, cet homme. Mais c'est ma faute. Moi, la fille d'un oiseau. Est-ce que je puis être autre chose qu'une cocotte? Oh, entrez vite, grande reine. Je vois venir le jeune prince en reste. Ah, mon coquet de vue. Oui, il vient par ici en la si fâcheuse société. Ah, tu es avec Parthénis. Il s'habille bien, cette Parthénis. D'ailleurs, il n'y a que ces femmes-là pour s'habiller avec une audace pareille. Et vite, grande reine. Au cabaret du labyrinthe, cette nuit j'ai soupé mon vieux, avec ces dames de Corinthe, où ce que la Grèce a de mieux, c'est Parthénis, Héléna, qui m'ont dit de vouloir connaître, pour que je m'attendre à cela, mais jamais j'ai bien l'honneur d'être, c'est Parthénis, Héléna, c'est Parthénis, Héléna. Avec ces dames qu'on reste, mais dans ces nages à papa. Papa s'en fiche bien au reste, car c'est la Grèce qui perdra. C'est Parthénis, Héléna, qui m'ont dit de vouloir connaître. Pourrais-je m'attendre à cela? Mais dame, j'ai bien l'honneur d'être. C'est Parthénis, Héléna. C'est Parthénis, Héléna. Parthénis, Héléna, c'est Parthénis, Héléna. Oui, dépanné, oh là là. Et là voici Calcas, Calcas le grand augure, Calcas le roi officiel, Calcas le confident de papa, comment le trouvez-vous? Pas en vérité, mesdames, mais un sacrifice très urgent, mon fils. Un sacrifice aujourd'hui? À quelle occasion?
Et vous parlez argot? Oh, bah ouais, quoi, on s'aime bien. À l'occasion, de la fête d'Adonis. Oh, c'est la fête d'Adonis, aujourd'hui. Nous en sommes à la fête d'Adonis. Nous sommes de toutes les fêtes. Oh, la jolie fête que celle dont nous ne serions pas. Je donnais un peu, mon bon Calcas. La fête d'Adonis, c'est un peu la fête de Vénus, n'est-ce pas? Oui. Alors, il me semble qu'étant donné le métier que nous exerçons par Tennis et moi-même, toutes les péripatéticiennes devraient avoir leur place réservée. Je veux, mon Dieu. Non, je ne dis pas, mais il a été décidé que seules les femmes du monde. Pas rien pour le demi-monde. Ah non, pas ça, Seigneur. Ah, parce qu'elle voudrait garder Adonis pour elle toute seule. Je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'il a été décidé que c'est. Enfin, ce sont des ordres supérieurs. Que l'enfer les emporte, ceux qui ont donné ces ordres supérieurs. Et enfin. Non, Seigneur. Seigneur, vous me laissez entre mon devoir et mon respect. Je ne puis. La cérémonie est présidée par la reine elle-même. Ma tante Hélène. Voyons, je l'aime bien, ma tante Hélène, mais elle aurait tort de faire la sévère, parce que pour des aventures, elle en a eu des aventures. Seigneur, je sais bien qu'elle se rattrape en disant que c'est la fatalité. Mais après tout, ces dames aussi, c'est la fatalité. Eh bien alors, car moi aussi, c'est la fatalité. Et moi donc? Et moi? Pourquoi est-ce que je sens là qu'il y aura dans mon existence des événements prodigieusement dramatiques? Toutes ces tragédies dont je serai le héros et fatalité. Et moi donc, qui ne demande pas mieux que de vous laisser entrer et qui suis obligé de vous dire que votre place est dehors. Fatalité! Ne vous lâchez pas, nous nous inclinons devant elle et nous partons. En avant la musique. Au revoir, Calcas. Et dire que c'est le fils d'Agamemnon, le fils de mon roi. Mais savez-vous ce qu'il me dit lorsque je le réprimande? Arrête ton char, augure. Oh, il vient des choses à ma tante. Oh, tu me l'as. Folle, folle jeunesse. Allons. N'êtes-vous pas le grand augure de Jupiter? Oui, c'est moi, Calcas. Voilà qui tombe à merveille. Excusez-moi, jeune homme, je suis très pressé. Un sacrifice déjà très en retard. Ouais. Le sacrifice attendra, je viens pour une affaire pressante. Si vous croyez que je me dérange comme ça pour le premier verger venu, j'ai besoin de vous. Mais pour quoi faire? Vous allez sans doute me demander de vous tirer les cartes. Eh bien, il y a dans les faubourgs de petits oracles pour berger. Je suis, moi, le grand oracle de la cour. Et notre grand oracle de la cour n'a pas reçu de lettre de Vénus? Ah non, pas le moins du monde. C'est curieux. Vénus a fait partir la colombe sous mes yeux. Mais vous savez, je n'y crois pas du tout à votre histoire de lettre de Vénus et de colombe. Vous n'y croyez pas? Eh bien, regardez. Quoi? Ce petit point blanc dans l'azur qui grossit. Non, mais ce n'est pas une colombe, ça, c'est un canard. Mais non, c'est ma colombe. Et c'est ma lettre. Hein? Oh, mais le fait est... Vous voyez. Oui, il est vrai. Prenez la lettre, allez par vous. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle demande s'il y a une réponse. Non, il n'y en a pas. Ah, c'est bien le timbre de Cythère. Hein? Puis de Vénus, c'est... C'est bien de Vénus. Mais que faites-vous donc? Hein? Non, c'est pour l'album de timbre de la petite princesse Stéphania. Elle fait collection. Ah, très bien. Ah. Vous permettez? Mais je vous en prie. Ben. Prince de 20 ans, parfait homme du monde, un berger viendra. Au nom de Vénus qui sortit de l'onde, Calcas l'entendra. À ce doux berger dont Vénus proclame le goût merveilleux, Vénus a promis la plus belle femme qui soit sous les cieux. Or, quand paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine en disant « Voilà,
Voilà. Alors ce serait vous, ce Paris, le fils du roi Priam. Mais vous savez qu'on ne parle que de vous dans Sparte et dans toute la Grèce. Ainsi, c'est vous qui avez porté ce fameux jugement. Moi-même. Alors vous avez vu la déesse, hein? Un peu. Coquin, hein? Pardon. Si ce n'était pas abusé, je vous prierais de... De quoi? De me donner... Un léger aperçu. Oh, farceur. Voici l'aperçu. Oh, mon lit à toi, déesse, se querelle dans un bois. Qu'elle dise ses princesses, la plus belle de nous trois. Et oh, que ces déesses pour nos jolis les garçons. Et oh, que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Dans ce bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi, sa maître n'est qu'une pomme. Vous voyez bien le tableau. Oh, oh là, et le beau jeune homme, arrêtez-vous. Et veuillez donner la pomme à la plus belle de nous. Et oh, que ces déesses pour un joli les garçons. Et oh, que ces déesses ont de drôles de façons. Ont de drôles de façons. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que ces déesses ont le drôle de façon. L'autre dit j'ai ma naissance, mon orgueil, mon parent. Je dois l'emporter, je pense, donne la. Entendez bien, et voyez que ces déesses pour un joli garçon, et voyez que ces déesses pour le drôle de façon, pour le drôle de façon. Et puisque Vénus l'ordonne, j'obéirai. C'est avec regret, je ne vous cache pas. Ménélas n'a jamais été un souverain pour moi, mais un ami. Cependant, je vous le répète, et puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement, j'obéirai. Mon tonnerre, mes oracles, moi-même, sommes entièrement à votre service. Faut-il vous présenter tout de suite à la reine ou... Soit, mais sans lui dire qui je suis. Ah. Oui, je désire garder le plus strict incognito. Jusqu'au moment où la situation sera favorable, un coup de théâtre. Lorsqu'en paraîtra la divine Hélène, fille de Léda, Calcas au berger montrera la reine
en disant voilà, et la voilà. Un étranger. Je ne sais dans quel rang le hasard l'a placé, mais je sais que son front est brillant de génie et que jamais plus fier visage n'a passé dans le rêve éclatant d'une reine endormie. Des verres, princesse, auriez-vous bu? Ce sont des verres? Oui. Mais je ne sais, cela m'est venu tout naturellement en le voyant, sa prophétie. Berger. Enfin, du moins, il me l'a dit. Oh, bienheureuse, les bergères, si ce n'est qu'un berger. Mais en est-ce vraiment un? Ça, je ne sais, mais s'il plaît à votre majesté de le lui demander vous-même. Ah, c'est une idée, ça. Laisse-nous, mon bon Calchas. Ce sont les dieux qui ont parlé par ta voix. Je vais l'interroger. Puisque Vénus l'ordonne, c'est la fatalité. Mon jeune homme. Princesse. N'es-tu vraiment qu'un mortel? Les dieux parfois s'amusent à se présenter à nos yeux sous un déguisement. Je ne suis qu'un mortel. Pas possible. Et pas déguisé du tout, je vous assure. Un berger? Un berger. Oh, mais où donc est ton troupeau? Ah, mon troupeau? Là-bas, là-bas, dans la montagne. Et pourquoi l'as-tu quitté? Comment te trouves-tu ici? Ben, on m'a dit qu'il allait y avoir un concours. Je me suis fait inscrire et je suis venu dans l'intention de me faire remarquer. Par ta beauté. Disons par mon intelligence. Mais n'oublions pas ta beauté. Je ne te le dirai pas si tu étais autre chose qu'un berger. Mais avec toi, cela n'a pas de conséquences. Tu es vraiment très beau. Oh, Vénus, princesse. Très beau de face, de profil. Oh, de trois quarts maintenant. Il est naïf, il a tout pour lui. Mais non, de trois quarts face à moi. Lève un peu la tête, n'ouvre pas la bouche. Admirable. Oh, Vénus. C'est beau, un beau berger. Mais n'ouvre pas ta bouche. Mais je m'oublie à t'admirer. Quelle heure as-tu toi au soleil? Moi, 3h05. Oh, mais je n'ai que 2h15. Ah non, vous tardez. Mais s'il est 3h05, la cérémonie va commencer dans un instant. Cruelle chose que l'étiquette. Une reine n'a pas plutôt admiré un berger pendant 5 minutes que crac. L'étiquette arrive, elle ne sait pas. Reine, voici le cortège. Oh, vous nous reverrez. Reine, voici les rois qui viennent pour la cérémonie. À l'enceindre, les diadèmes. Et remettre un peu de poudre d'or sur mes cheveux. Elle a raison, cela se fait beaucoup à ce pas. De vaillance, de flic, de vaillance, c'est les deux agents. Les deux agents, c'est
Matinée poétique ou littéraire, mais vous ne l'ignorez pas, je suis mal à l'aise dans les joutes oratoires. Aussi céderai-je volontiers la parole à mon beau-frère Agamemnon. Vous me l'avez donnée, je vous la rends. Ah bon? Rois et peuples de la Grèce, il ne s'agit pas aujourd'hui, comme dans nos luttes habituelles, de lancer le disque d'une mâchure ou diriger un char à la carrière. Cette journée est spécialement consacrée aux choses de l'intelligence. Les hommes forts, nous en avons. Le bouillant Achille est fort. Les deux Ajax sont forts. Couchez 30 millions d'amis. Et moi-même, couché, n'est-ce pas? C'est la position que je préfère. Mais voyons, c'est pour cela que nous avons institué ce concours, n'est-ce pas? Ce que nous n'avons pas, ce sont des gens d'esprit. C'est vrai, c'est vrai! Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas l'herche, hein? Je dirais même mieux, Nib de Nib. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Nib de Nib? Pas l'herche. Et pas l'herche? Nib de Nib. J'ai compris. Bon, enfin! Des gens d'esprit, nous en manquons. C'est afin de les découvrir que nous avons institué ce concours. Les rois, les poètes, les bergers. Les bergers, les bergers, les bergers. Il est
Excusez-la, elle ne peut pas résister devant un travailleur agricole. Le vainqueur obtiendra des mains de la reine une couronne de feuilles de pin. Avec tout le monde, parlez, pensez à une couronne de feuilles d'or. Mais je me suis dit que pour des gens d'esprit, le pain, n'est-ce pas, c'était bien assez. Et voyons, jeunes élèves, élancez-vous dans la carrière et disputez-vous-là cette modeste et combien glorieuse couronne. Et vous, fanfares, sonnez pour l'éloquence du roi des rois en attendant de sonner pour le triomphe du lauréat. En avant la musique, fanfares. C'est à vous cette musique? Oui, c'est à moi, mais c'est pas de leur faute. Il fait moins 13 dans la fosse. Bon, ne perdons plus une minute. Alors, le calembour, le calembour. Voilà, veuillez poser la question, je vous prie. La question, elle est extrêmement facile. La question. Quelle différence y a-t-il entre des cornichons et calca? J'ai trouvé cette fois. C'est peut-être la réponse, c'est unanimité. Non, ce n'est pas la réponse. Le berger. Oui, le berger. Lui. Oui, oui. Allons-y. Parce que tu la connais, toi, la réponse. Oui. Eh bien, tu n'es pas bête pour un pastourio. Je m'adresse à Calcas et je lui dis, la différence n'est pas maigre entre les cornichons et toi. Ils sont confits dans du vinaigre. Calcas est confident du roi. Ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ah, j'ai compris. Pas moi. Ah oui, oui, c'est très délicat. J'ai rien compris du tout. Ah. Bien. Alors, berger, tu as gagné la seconde manche. Quand t'attendons? Non, je préfère toujours attendre. Bien, fanfare. Fanfare pour l'inconnu. Oh, ben ça, c'est un vieillard du folklore alsacien. Bien, alors continuons. Troisième et dernière manche, les bourrimés. Allez, veuillez. Les bourrimés, les voici. Écoutez bien, messieurs, dames. Chêne. Allez, poids. Poids. Peine. Peine. Trois. Ils sont un peu faciles, mais pour un premier concours. À moi, à moi, à moi. Ah. Dites-moi. Ah. Vous avez beaucoup de zèle. Mais ce zèle, jusqu'à présent, ne vous a pas tellement réussi. Enfin, voyons! Attachez-moi avec une grosse chaîne! Mettez-moi sur le dos une quantité considérable de... quoi? Et malgré ça, vous me verrez m'en aller sans... jusqu'à trois! Ce ne sont pas des vers, mon ami. Hein? Hein? Mais pourquoi ça, puisqu'il y a les rimes, enfin? J'ai toute une éducation à faire, nous ne sommes pas ici pour vous apprendre la prosodie. Ils sont boiteux, tes vers. Comme, comme, comme. Ils manquent de pied. Assieds-toi. De quoi, monsieur? Tu veux dire quelque chose, mon petit? Oui. Bon, alors, viens avec moi, prends ta colonne, allez, hop. Allez. Comment t'appelles-tu? Ajax Ier. Quel âge as-tu? J'ai 33 ans et demi. Alors, voyons. Tu es venu ici avec tes parents? Oui. Oui? Où sont-ils? Tu veux me les montrer? Ils sont là-bas. Oui? Il y a mon papa. Bonjour, monsieur. Ma maman. Bonjour, madame. Mon bébé. Bonjour, monsieur. Ma mémé. Bonjour, madame. Mon tonton. Bonjour, et monsieur. Et puis, il y a ma tata. Bonjour, monsieur. Pardon.
Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grand? Quand je serai grand? Eh ben, je vais rentrer dans le temple d'Athéna pour violer Cassandre. Ah non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suppose que tu es venu pour dire des vers, n'est-ce pas? Oui. Pas pour autre chose, pour un quatrain. Alors, nous t'écoutons. Toute chaîne a deux poids, toute peine en a trois. Ah, c'est mignon. Ah, vous comprenez, le roi Ménélas? Eh bien, je comprends, et comme chaque dimanche, le jury, avec générosité, accorde 10. Mon ami, vous ferez école des fans. Oh. Bien entendu. C'est délicat. Le berger va avoir du mal. Ah, on me demande. Oui, oui. Écoutez-le. Je m'adresse au roi Ménélas. J'y consens volontiers. Ainsi qu'à la souveraine. Et je leur dis, quand on est deux, l'hymen est une chaîne dont il est malaisé de supporter le poids. Mais on la sent peser à peine quand on est trois. Délicieux! Délicieux! Ah! Qu'en pensez-vous, roi Ménélas? Bien sûr, la forme, il n'a rien à redire, mais disons que sur le fond, il y en a un de trop dans le lit, jeune homme. Évidemment. Donc, berger, tu as à toi le dernier, troisième et meilleur pompon. Voilà. Ce qui dame est Paris, le fils du roi Paris. Au ciel, au ciel, au ciel.
si vous êtes gentilhomme. Vraiment, vraiment, j'en suis fort aise. Hélène, avec chagrin, eut de sa noble main posé le verlandier sur le front d'un vilain, sur le front d'un vilain. Couronnez-le, madame. Nous aurons l'honneur de vous voir. Nous unirons cette terre, nous mettons à table cette terre. Fille de Jupiter, je ne l'oublierai pas. Non, 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 je ne l'oublierai pas. Je vais arranger ça. Merci, mon bon Calcas. Il en tombe à l'ouvrage. Dans un moment, il se rend dans ses mandats de fâcheux.
Vénus, ne pouvais-tu trouver pour ce berger une récompense moins folâtre? On a nommé l'une la blonde, la blonde fille de Léna. J'ai fait quelques nuits dans le monde, etc.
Plaisir, madame. C'est délicieux. Oh, mais parlez un peu plus loin, quitte à parler un peu plus haut. Écoutez-moi, madame, ne vous êtes-vous jamais trouvé en face d'un homme qui avait pris une résolution? Oh, vous me faites peur. Asseyez-vous, madame, écoutez-moi. Je vous écoute. La déesse m'avait promis l'amour de la plus belle femme du monde. En vous voyant, j'ai tout naturellement pensé que c'était vous. Vous m'avez résisté. Cela m'a fait venir des doutes. Comment ? Je me suis dit, la plus belle femme du monde, ça n'est peut-être pas elle. Et qui se serait donc ? Ce n'est pas, je suppose, cette Parthénis qui se fâte indignement, ni ce chipi de Pénélope avec sa manie de faire de la tapisserie, ni ma sœur Clytemnestra avec son nez. Non, madame, ça n'est ni Parthénis, ni Pénélope, ni Clytemnestra. Ça n'est aucune de ces femmes-là. Donc, c'est vous. C'est vous, ne me dites pas non, je suis bien informé.
Et puisque la déesse m'avait promis... Eh bien, madame, voilà un mois que nous nous en tenons au marivaudage. Qu'un homme ordinaire marivaude, je comprends cela, mais moi, madame, moi, qui juge les trois déesses, vous devez me comprendre. Mais écoutez-moi à votre tour. Bien, alors. Oh, j'ai ma réputation. Sa réputation. Oh, voilà que nous retombons dans le marivaudage. Écoutez-moi, madame, ma révolution a cela de bon qu'elle est doublée d'une théorie. Il y a trois moyens pour arriver au cœur d'une femme. Trois moyens? L'amour, d'abord. Voulez-vous m'aimer? Non. Une fois? Non. Deux fois? Non. Trois fois? Non. Adjugez, passons au deuxième moyen. La violence. La violence? Vous serez charmé. Vous allez voir ça. Ah, madame, je vais faire rien, je tombe. Le troisième moyen, madame, c'est la ruse. Et je m'en occupe. La 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 ruse. Par Hercule, je me suis bien défendue. C'est Agamemnon et sa suite, madame. On commence le jeu de loi. Vous avez exprimé le désir de me voir avant la partie. Que je souffre. Quel combat! Quel déchirement! Paris était venu tout à l'heure. Il était là où vous êtes. Et je lui ai parlé durement. Je l'ai chassé comme toute mon âme. Oh, voyons, ma chère souveraine, il ne faut pas perdre courage. Les dieux vous aideront. Mais les dieux, ce sont eux qui veulent ma perte. Mais non, Vénus seulement! Mais les autres? Demandez aux dieux de m'envoyer des songes bienfaisants. Des... Mais quel est ce bruit? C'est un esclave d'Interflora. Oh, Calcas! Oui. Vous savez, si je pouvais dormir, et si dans mon sommeil, je pouvais le voir. Qui Ménélas? Mais non! Ah oui, 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 l'autre, le... Oui. Qu'un songe qui me le ferait voir. Mais c'est que ça m'est difficile. Non, ça ne vous est pas difficile. Ce songe. Irkam. Irkam. Xenaki. Elle est presque endormie, là. Boulez! Ainsi la déesse a tenu sa promesse. La reine et le berger sont face à face. Il fait nuit. Ménélas est en Crète. Et Vénus est pour moi. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? Oh, j'y suis! Les rois qui dînent dans la galerie Bacchus. Paris, pour moi? Ah oui, c'est le rêve que tout à l'heure je demandais à Calcas. Un rêve? Si je pouvais passer pour un rêve.
quand j'ai couronné la déesse, elle était un peu moins, je n'en dirai pas plus. Oui, je comprends, je t'adore. Oh, chère Hélène, tu devines, Jésus des épaules fines, te cache mal un flot de chair. Ma chambre, et qu'est-ce que je trouve? Le seigneur Paris debout sur mon lit et en chaussures. À moi! À moi! Mais à moi! Mais je me tairai, monsieur, si je veux. En pareil cas, cependant, un mari ordinaire. Un mari ordinaire soit, mais je ne suis pas un mari ordinaire, je suis un mari épique. Eh bien, raison de plus! Et je veux que dans 4000 ans, on se souvienne encore de cette affaire-ci. Mais pourquoi ça? Écoutez-le! Vous m'avez fait cocu! Laissez-moi au moins la légende! Mais les rois sont là qui soupent à côté! Ah, les rois sont là! Et si vous faites du bruit, ils vont venir. Qu'ils viennent, c'est ce que je commande. À moi, roi de la Grèce, à moi! Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous faire? Papa, regardez-vous ce père! À moi, à moi, à moi, à moi, à moi.
mais hélas. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je viens de la trouver seule avec ce seigneur. Répondez-moi, roi de la Grèce. Vous qui deviez veiller sur la princesse, qu'avez-vous fait? Mon homme. Badaboum, avec l'honneur du roi. C'est plus dit. Je suis toujours cocu, mais c'est plus dit. Ne criez pas notre chère hôte, car c'est un peu de votre faute. Quoi? De ma faute? Dame, c'est sa faute. Oui, c'est sa faute. Dame, c'est ta faute. Ma faute. Für den 20. ist der größte Ostestisch, der Operette des 20. ist der kleine Kokü. Ich sehe die Schließhose. Die Stoffe. Un marissage d'un voyage, il se prépare à revenir. La prévoyance, la bienséance, il faut donner mon avertir. Sa femme est prête et se fait fête. Voilà comme un galant homme évite tout désagrément. Et voilà comme un galant homme évite tout désagrément. Et voilà comme un galant homme, un galant homme, un galant homme évite tout désagrément. Si par mes gars ce hasard a rentré chez lui tout à coup. Il est le maître, mais c'est peut-être un prénomène, m'en fait-vous, car il s'expose à triste chose, rentré dans un mauvais moment. Et voilà un galant homme, vite du désagrément. Voilà comme un galant homme, c'est vous a du désagrément. Et voilà comme un galant homme, c'est vous a du désagrément. Et voilà comme un galant homme, un galant homme, un galant homme, c'est vous a du désagrément. Soit, mais vous allez me venger, oh salut. Va-t'en, jeune enchaîneur, ta conduite me fait ton peur. Vous allez tous le soir et l'aide, alors, messeigneurs, il faut.
vienne. Thank you.
femmes avec les femmes, et les maris entre eux, galanterie infâme. De Vénus, la vengeance s'abat ainsi sur nous. Il faut voir Ménélas et le mettre à genoux. Oh, au reste, tout concourait, ni fini. Traduction, toi aussi, mon fils. Mais c'est pas de ma faute, papa. C'est de la faute à qui, alors? Vénus enfant de notre âme, allume un feu dévorant. Vénus enfant de notre âme, allume un feu dévorant. Malgré cet abord de flamme, s'il est un mari voulant, pour lui seul garder sa femme, nous lui dirons en chantant. Ah, 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 ah,
Déchaîné sur la Grèce tout entière. La déesse a mis dans l'air des émanations subtiles qui fait que leurs maris quittent leurs femmes et que les femmes quittent leurs maris. Tous ne succombent pas, mais tous en sont atteints. Comme la tarte, il fallait le dire. Comme. C'est ainsi que Vénus se venge. Et pourquoi se venge-t-elle, roi Ménélas? Mais pourquoi se venge? Mais ce que je sais, moi. Elle se venge parce que vous l'avez contrariée. Ah, parce que la déesse aurait sans doute préféré que je lisse partir ma femme avec le seigneur Paris. C'est bien, non? Non, j'en ai décidé autrement, et par ma foi, j'ai bien fait. En tant que mari, peut-être avez-vous bien fait. Mais en tant que souverain, vous avez oublié ce précepte. Pour le monarque, toute chose passe avant le mari. Pour n'avoir pas suivi cette règle du jeu, voyez dans quel abîme vous plongez vos sujets. Partout, la morale est bafouée. Partout, sont rompus les liens sacrés du mariage. C'est une débâcle générale. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, quand on y vole les maris, unis-moi au sein de ton ménage, au sein de ton ménage, tu te fiches pas mal de ton pays, tu te fiches pas mal de ton pays. Voyez pourtant ce qui se passe. L'épouse à son tour, l'épouse déserte l'amour. Mais que voulez-vous que j'y fasse? Que voulez-vous que j'y fasse? Dans nos pays, dans nos pays, dans nos pays.
Les pas seront nets en présent. Pour l'avenir, je vois la longue file des successeurs de Ménélas. On les comptera par cent mille. On les comptera par cent mille. Si vous ne vous décidez pas à nous tirer tous d'embarras. Allons ça, dépêchez sa presse. Regardez l'état de la Grèce. C'est une immense bacchanale, des filles et venues s'astarter, danse d'une ronde infernale, tout est plaisir et volupté, perdu d'un voir, en l'air moral, par le flot, tout est emporté. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Tu comprends que ça ne peut pas durer plus longtemps. Au lieu de mimer la pyrrhique qu'autrefois on nous enseigna, dans ce noble, dans ce classique, en tout lieu maintenant, voilà, on danse une danse centrique et sans nom qui ressemble à ça. Tu comprends ça ne peut pas durer plus longtemps. Vous savez,
J'aime bien ma fille Figélie. Eh bien, les dieux me la demanderaient. Je leur dirai, vous y tenez? Là, voilà. Et si vous demandez votre femme adorable Clytemnestre? Ah, ça, c'est autre chose. Ah, vous voyez bien. Ça me ferait rudement plaisir. Eh bien, pas à moi. Et c'est pourquoi je cherche une autre solution. De toute manière, ce moyen-là ne voudra jamais le premier. Non, oui. Il était si simple, le premier moyen. Et quel était le premier moyen? Vous avez été là. On vous la demande. Vous l'avez? C'est élémentaire. Elle ne demanderait pas mieux, la reine. Je ne comprends pas comment vous pouvez tenir à une femme comme ça. Vous avez une femme. On vous la demande. C'est élémentaire. Elle ne demanderait pas mieux, la reine. Je ne comprends pas comment vous pouvez tenir à une femme comme ça. Vous avez une. On vous la demande. C'est élémentaire. Elle ne demanderait pas mieux, la reine. Comment vous pouvez tenir à une femme comme ça? Elle ne demanderait pas mieux. Assez! Vous oubliez que je suis le roi. Oh, ça, oui. Pour être le roi, vous êtes le roi. Ah bien, maintenant, je crois que je tiens la solution. Ah, voici. J'ai écrit à Cythère. Vous savez écrire à Cythère? Oui. Il connaît les bonnes adresses. Oui, mais alors j'hésite à dire ceci à quelqu'un, car je le connais, c'est un... Il est d'un tempérament ombrageux, c'est un sauteur. Oh, j'entends. Oui. Moi, un sauteur? Vous allez sauter. Et pourquoi sauter? Mais je vous connais, vous êtes comme ça. Voilà, j'ai écrit à Cythère au grand augure de Vénus. Oui. Oh, mais c'est un scandale! Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Monseigneur, vous savez que je suis augure ici depuis 35 ans. Vous n'avez pas le droit de me faire un affront pareil. C'est absolument scandaleux. Je ne supporterai pas la concurrence. Jamais, jamais, jamais. Jamais! Quoi? Oh, merci. Ah! Encore un coup. Oui, mais alors une fois seulement parce que je fatigue. Vous permettez? Oui. C'est un slip kangourou. Alors, quand doit-il arriver, ce grand auguste de Vénus? Il devrait être ici d'un instant à l'autre. Par ici! Par ici, c'est ici qu'elle doit apporter! Regardez, la voici! La galère! Oui, une galère merveilleuse! Avec des voiles rouges! Oh, Et puis
sachez-le bien, je n'ai pas l'habitude de être reçu sur un rythme plaintif. Vos oreilles chantent un cœur alerte. La reine, où est la reine? Je ne la vois pas. Elle boucle. Ah, c'est vous, belle Parthénis. Et vous, Picanclena. Vous connaissez nos noms? Un beau général reconnaît toujours ses meilleurs soldats. Oh. Ah, vous êtes vraiment gay, grand Auguste. Je suis gay, je suis gay. Ça nous est recommandé à Citer. J'ai mis ces bonnes personnes au fond. Elle pardonnera. Oh. Elle pardonnera, mais à la condition que le roi Ménélas se montre compréhensif. Mais tout dépend, monsieur le chanoine, de ce que vous entendez par compréhensif. Rien que de très raisonnable. Mais encore. La reine sera tenue de faire un tout petit voyage. Dans une petite île à 10 lieues d'ici. À Citer. Oui. Elle prendra la galère de Vénus avec moi. Et de sa propre main, elle sacrifiera 100 génisses blanches à la déesse. Eh bien, voilà qui est parlé simplement, j'y répondrai de même. En somme, si je vous ai bien compris, la paix, vous souhaitez que ma femme effectue un petit voyage? Oui. Et qu'elle sacrifie 100 génisses blanches à la déesse? Oui. Eh bien, ma femme effectuera ce voyage, et mon peuple paiera les 100 génisses. Oh. Oui, oui, mes enfants, vous les paierez, les veaux. Faut-il encore que la reine consente? Mais où est la reine? Je ne la vois pas. La voilà. Oh.
C'est elle, elle vient, la voici, mon Dieu, elle est belle, malgré son souci. Elle vient, c'est elle, elle vient, la voici, mon Dieu, elle est belle, malgré son souci. De Vénus, à Cythère, à Cythère, il faudrait vous rendre pour plaire à la déesse et calmer son courroux. À calmer son courroux. Paris, le berger naïf. Vas-tu refuser ma corde de manger sur mon esquif? Dans l'honneur, mon temps sur une âge. Mais à mon autorité, ce n'est qu'un tout petit voyage. C'est encore la fête. Par 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 par